Coucou les amis de Pure People, on se retrouve après la belle Marie de l'Orphelin. Nous accueillons la belle Enora Malagré. Applaudissements s'il vous plaît, bonjour. Public. Je veux de l'applaudissement derrière. Il y a deux personnes. Nombreux. Ah oui, c'est l'équipe, c'est un peu plus nombreux. Ouais, coucou. Bon, les amis, d'entrée, moi c'est une déclaration d'amour et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Enora Malagré, que vous connaissez bien, avec son caractère bien trempé, sachez-le, c'est une hypersensible et une super gentille. Alors, on va parler d'une émission sur ces stars, ouais. Pas C8, ces stars, qui s'appelle ouais. Le Van. Ouais. Moi, j'ai regardé Slimane dernièrement, c'était il y a encore aimé. Quelques jours. Alors, j'ai pas d'objectivité, j'adore Slimane. Ouais. Avec nous, si tu pouvais expliquer le concept et après les points forts. Yes. Donc, le concept. Pendant en gros une heure, j'attrape un invité, que des gens que je kiffe, que j'avais envie de découvrir un peu plus en profondeur, je les emmène dans mon van. Donc on discute, voilà, on apprend à se connaître, on est vraiment complètement centré sur l'artiste, hein, pour une fois. Donc ceux qui ne m'aiment pas, rassurez-vous, vous ne verrez pas ma gueule. Et je fais découvrir des endroits dans Paris que moi j'adore, dans lesquels je vais régulièrement. Genre Slimane, tu vois, c'était dans un ancien club échangiste fréquenté par oui. Cocteau. L'Orphée. L'Orphée. Pas loin de Pigalle. Canon, mais vraiment, allez-y. Et après, bon, je ne révèle pas les autres lieux, mais au fur et à mesure des épisodes, on va dans des lieux de plus en plus barrés. C'est vrai. Ouais. Alors, tu peux nous donner peut-être quelques noms. Yes, il y a Fomoto, on va découvrir. Alors, comme vous l'avez jamais vu, c'est-à-dire que la meuf balance des trucs de malade. Ah bon Donne-nous envie, parce que ce sera quand? C'est lundi prochain Non, je crois que lundi, c'est Amir, lundi prochain. Donc, alors, lundi, Amir. Bon, alors Amir, j'ai envie de... Non, je peux pas vous dire. Et 23h15 aux alentours, 23h15 sur ses stars. Voilà, donc lundi prochain, Amir. Ne connaît. Non, mais qui est une chaîne géniale. Il faut absolument découvrir cette chaîne, super. Ouais. Donc, non, et Amir, par exemple, à un moment, parle de politique et aussi un peu de légalisation. De drogue. De poney. De poney. Bien sûr. Parce qu'on fume des poneys parfois. Bien faites attention, sûr. Mais ce n'est pas bien. Hein. Du coup, non, mais c'est fin, pareil, Amir, on découvre le parcours du. Enfin, honnêtement, c'est canon. Donc, alors, Amir, Fomoto, là, déjà en note. Parce j'ai pas envie bien. De tout balancer, parce qu'il y a encore des invités de dingue ouais. après. Ouais. Y a un invité, par exemple, que j'emmène dans une yourte à un moment, mais je peux pas vous dire qui bon, c'est. Bon, alors, tu ne dis pas tout. Tu ne dis pas tout. Ouais. Quoi qu'il en soit, les points forts selon toi, toi qui vis évidemment de l'intérieur de cette émission. Quels sont les points forts de cette émission? C'est que ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'émission où on prenait le temps de découvrir les artistes. C'est vrai que ça se fait plus trop, ça se faisait beaucoup à l'époque avec Fréquence Star, le plein de super, tout ça qu'on a connu. Mais là, plus trop. Donc je me suis dit, bon, hey, un moment, on va centrer un peu les choses sur l'invité. Donc ça, je trouve que c'est le point fort parce qu'on les découvre comme jamais. Du coup, ils se livrent, comme on est dans un van enfermé, ils ne peuvent pas sortir. Du coup, ils sont quand même un petit peu, voilà, ils viennent à la confidence assez facilement. Et puis, le point fort, c'est voilà, c'est qu'il y a des musiques super. Enfin, moi, j'ai fait le montage, j'ai tout fait toute seule, donc je suis super contente. Mais qu'on ben écoute oui. des musiques de ouf, ouais. voilà, des lieux de dingue. Et que, des questionnaires aussi, voilà. où non, on apprend bon. Beaucoup de choses, même, voire même un voilà. peu coquin. Oui, c'est parfois, bah, il faut toujours un petit peu de coquinage, hein, ouais. sinon ça n'a pas d'intérêt. Non, elle est cool, l'émission, elle est cool, elle est moderne, elle est... Enfin, je suis hyper fière. C'est l'émission où je Et puis surtout, vous allez voir une Enora Malagré différente. Donc, ouais, différente, non, ça veut dire fou. Quoi? Non, mais je dis comme je veux. Attends, Enora, elle me dit, on s'en fout. Moi, j'ai pas envie. Non, mais attends. Non, mais attends. Bon, si, ouais. si moi je parle comme ça de oui. toi, c'est que c'est une valeur ajoutée. Je et une suis certitude. Moins relou qu'à l'accoutumée. Non, bienveillante. Bienveillante. Ouais. Voilà. Ouais. On la découvre différemment. En fin de compte, vous allez savoir quoi, les amis? La vraie Enora. On découvre la vraie Enora. Ouais, la vraie Enora. Maintenant, hein. Non, mais c'est vrai, c'est important. Bienveillance, sensibilité. T'as des belles dents, toi, t'as de c'est la vrai? Chance. T'as vu les chicots? Putain, c'est des facettes ou pas? Non, c'est vrai, non, c'est simplement que j'ai jamais fumé, je bois pas de café, je me brosse régulièrement, trois fois par jour. Dommage que t'es un mec. Alors, on continue quelque peu. Comment? Alors, on va parler un peu des audiences, parce que les audiences sont confidentielles. Mi-raisins. Entre 60 non, et 100 000, ça, c'est alors, pas personne non plus. Tu sais que, du coup, là, donc, le 100 000 la semaine passée, ça pour ces stars à cette heure-là, c'est vraiment canon. Surtout que, voilà, par exemple, la semaine dernière, j'ai fait 60 000, j'ai fait plus que le Prime, qui était avant, tu vois. Donc. Alors, ça peut paraître des audiences microscopiques, c'est vrai qu'on n'est pas sur du million. Mais pour ces stars, c'est pas mal. Mais après, par exemple, le gros journal avec Mouloud, qu'on adore, dont on est fan, il fait à peu près ce score-là aussi. Oui, puis il y a les replays aussi. Et sur Mouloud, ses stars on ne lui tombe pas sur la gueule. Donc ouais. voilà, c'est une émission, je l'avais dit, qui n'était pas faite pour faire une audience de dingue. C'est une émission d'image, comme disait Cyril, voilà, qui est de qualité. Alors évidemment, on ne va pas se mentir, on n'a pas envie que personne la regarde. Mais c'est voilà. pas personne, 60 000 personnes, non, c'est non, pas personne, non, c'est non. quasiment un Stade de France. Ouais, t'es gentil. Après, il faut quand même que ça monte encore un ouais. peu. Après, à cette heure-là, un lundi soir, qui est le soir où les gens sont moins devant la télé, faire plus de 150 000, c'est chaud.
Bah après, oui, il faudrait que ça augmente un peu. Mais pour l'instant, on y va lentement, mais sûrement. Moi, voilà. Je suis très confiante, et puis de toute façon, voilà. On va en venir à vos questions d'ici quelques instants, mais pour l'instant, on continue. Alors là, c'est la question pour la gratter. Tu as prévu de recevoir quand, Clara Morgan, dans ton van? Allez, qu'on n'en parle plus. Allez, allez, faites pas, la paix. Mais non, mais pourquoi pas? Non, mais, pourquoi mais la pas. Paix, elle est faite. Si tu veux qu'il n'y a, a pas de... Moi, je l'aime en plus, Clara. Hein. Mais non, mais moi aussi, j'ai rencontré. J'ai fait une vanne. On va conclure. Un van dans c'est une c'est bien van. Parce que c'est toi, Lolo, parce que j'en ai marre de parler. Vas-y, allez. Mais en gros, j'ai fait une vanne sur la meuf, qui apparemment est très premier degré. Bon, elle a répondu, elle a raison. Bon, sauf qu'elle parle de bipolarité, c'est une maladie, faut faire attention aux mots qu'on emploie parce qu'il y a eu pas mal de gens qui souffrent de cette maladie, qui ont un peu gueulé, mais bon, s'en fout. Oui. Moi, ce que je dis, et ce que j'ai dit à Europe 1 et que je te redis, les querelles, enfin les querelles, les pseudo-querelles d'une actrice porno et d'une petite chroniqueuse télé, franchement, on s'en fout. Voilà. Donc je pense que l'incident est clos. On n'en parle plus, si ce n'est que Clara Morgan n'est plus une actrice porno. Elle fait d'autres choses, c'est une venue de marque, elle fait pas mal de choses aujourd'hui. Pardon, mais enfin c'est quand même une actrice pour nous, elle fait des trucs érotiques. Elle a commencé par faire quelques sextapes, mais entre-temps elle a été animatrice sur différentes chaînes de télévision. Oui, c'est vrai. Non mais parce que je disais ça par rapport au fait qu'elle continue à faire des petits calendriers. Moi je veux vous réconcilier parce que vous avez un point commun, c'est la sensibilité entre les deux. Il n'y a aucune embrouille quand même avec une personne qu'on n'est pas dans le même monde quand même, tu vois, c'est pas... Pas d'embrouille, quoi. Absolument. Non, non, mais c'était important aussi, parce que comme ça, on n'en parle plus. Jamais. Voilà, plus jamais. Terminé, ne posez pas de questions à Nora Malagré avec Clara Morgan. On l'embrasse très, sur très sa fort. Sa fesse droite. Voilà, et même sur la fesse gauche, vous l'embrassez où vous voulez, c'est vous qui voyez. Mais on la respecte, on l'aime beaucoup, quoi qu'il en soit. On va revenir dans TPNP cette fois-ci. L'arrivée de Capucine Anna, tu l'as vécu comment et tu penses quoi de Capucine objectivement voilà. Capucine, alors là, je suis droite dans mes bottes, je l'ai toujours soutenue. Évidemment. Discuté mais 100 000 fois, j'aimais pas du tout les programmes. Mais c'est un cœur comme il y en a peu. Elle est très généreuse. Alors moi j'aime bien ce que notre amie et Nora donnent comme conseil à Capucine de ne pas jouer trop les gourdes parce qu'elle est tout sauf gourde. Et c'est vrai, parce qu'on est bien depuis des années. Et Nora, elle est tout sauf méchante. Arrête de jouer la méchante. Allez. Mais moi, je bosse comment après? Mais tu bosses très très bien sans être méchante. C'est aussi quand même ton caractère. C'est aussi ton caractère. T'es très entière, t'y vas cash. Tu dis ce que tu penses. J'ai la tête dure. Faut pas oublier quand même. Il faut quand même pas oublier quand même que tu es bretonne. Alors, parmi toute l'équipe des chroniqueurs, nous posons cette question. Quels sont réellement tes vrais potes? Alors, honnêtement, quasi tous, mais je dirais que le trio infernal, c'est les trios du début. C'est mes trois mousquetaires qui étaient là depuis 7 ans maintenant, à savoir Thierry Moreau, Jean-Michel Maire, Jean-Luc Lemoine, évidemment Christophe Carrière également. On a commencé ensemble il y a presque 8 ans. Donc ça, c'est même plus des amis. Enfin, pour moi, c'est carrément une famille. Enfin, j'ai fait un total transfert, genre c'est les frangins que j'ai pas eu, la totale. Après, évidemment, j'ai un amour infini pour Isabelle, Valérie, parce qu'elles sont là aussi depuis quand même pas mal de temps. Gilles, qui est mon chevalier, qui nous défend corps et âme. Non, j'aime Ella, Benjamin. Enfin là, pour le coup, vraiment cette année, c'est la révélation de l'émission. J'adore. Non mais j'adore. Et puis Capu, voilà. Géraldine Maillet aussi, géniale, recrue extraordinaire, d'une gentillesse incroyable. Mais effectivement, tu m'as demandé, c'est mon petit quatuor, voilà, mes petits 4 saisons. Bon, c'est lequel ou c'est laquelle qui travaille le plus? Qui bosse le plus celui qui bosse le plus, c'est, je dirais, Thierry Moreau et Gilles Verdez. Alors, Jean-Luc journaliste de formation aussi. À part, parce que lui bosse pour les 4 tiers et tout. Mais honnêtement, Gilles Verdez et Thierry Moreau bossent de malade. Et les autres, ils sont tous des feignants. Le plus paresseux, Jean-Michel Maire. Mais qui l'assume totalement. Il le dit. C'est-à-dire que le mec, je pense, ne regarde pas les émissions. Mais comme il est super intelligent et qu'il a quand même un avis souvent assez juste, mais honnêtement, le mec sort de boîte et va à l'émission. Il est génial. Donc le gars n'en prend pas une. Alors, sachant que Koé gagne environ 1000 euros, et ça s'est passé devant l'objectif de Pure People, sérieux? Non mais sérieux, c'était un numéro de claquette que vous faisiez tous sur mais le plateau. Mais on n'est pas vénère parce qu'on est hyper content pour lui. Bah oui. Mais heureusement qu'il a dit ça chez toi, merci Lolo. Ouais. Parce que du coup, on était avec quoi? Genre le mec se fait 4000 balles par mois pour venir mettre son joli petit cul une fois par semaine dans l'émission. Alors en avant, Yagan. Ouais. Donc évidemment, nous avons tous été notre petite réclamation auprès du papa. Et alors, quelle était sa réponse? Bah, la réponse pour l'instant est en attente. Je pense qu'elle va être en attente jusqu'au mois de juin. Et Nora, tu gagnes combien? Ah bah moins de Koé, je te dirais pas, mais moins de Koé. Entre combien et combien, une fourchette? Donne-moi une enveloppe. Je peux pas donner, un peu moins Koé. 800.
800 par, par émission, ouais. Tu penses? Ah oui, non, mais moins que ça. 700. Ouais, à peu près, ouais. Ok. Non, mais je note au fur et à mesure. Brut, mon chat. Brut. Non, mais attends, je me plains pas, hein. On est extrêmement bien payé pour ce qu'on fait. Mais lui, il est... punaise. Celui vient qu'une fois par semaine. Ouais, mais c'est une star. Non, on a des contrats. Vous êtes en construction. Moi, je viens deux fois par semaine. Ouais. C'est pas, je suis pas payé à l'émission, ouais. Je suis payé au mois. Ouais. Et c'est pas ce mois-là. Ouais. Mais bon, on se plaint pas, les amis. Oui. Alors, Enora, je parlais d'un autre domaine. Le cheval? Oui, absolument, l'équitation, à savoir justement si c'est compliqué lorsque tu mets la selle sur ton dos en tant que petit pommette. Non, 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 t'as une autre passion, c'est la radio. Ouais. Alors, c'est vrai que tu as animé la libre antenne de Virgin Radio hein, jusqu'à juin 2015. Ouais. Et t'as vraiment envie de... Faut arrêter de dire d'ailleurs que ça a été arrêté l'émission parce que ça ne marchait pas. Je dis souvent ça dans les sites de... Non, c'était pas mal en audience. Non, non, en fait, quand tu vois les scores qu'ils font le soir maintenant, en fait, ça marchait plutôt pas mal. Ouais. Donc, faut arrêter ça aussi, c'était merveilleux. Ça, ça marche pas. Donc, je redis quelque chose, vous pourrez demander au patron de Virgin. Ça ne s'est pas arrêté parce que ça ne fonctionnait pas. Roberto Cruleo. Cruleo, exactement. Oui. C'est parce que c'est des contrats de 2 ans. En vous remerciant. Absolument. Pardon, ta question. On connaît la radio par cœur. Non, c'est une vraie histoire d'amour avec la radio. Ouais, j'ai commencé comme ça, ouais. Le retour à la radio, il est prévu pour quand? Parce que tu en as envie. Hein. J'en ai envie depuis peu parce que c'est vrai que faire une quotidienne tous les soirs pendant 2 ans, ça a été éprouvant. C'est les horaires du soir et tout. Avant, j'avais fait la matinale en plus de Virgin avec Cyril. Enfin bref. Donc, du coup, j'avais mis un peu ça en retrait. Donc là, effectivement, eh bien, je fais un appel. Je suis à nouveau disposée pour refaire de la radio. Donc, je vais commencer à les retaper un peu aux portes. Ouais. Quel genre de radio quel genre, je dirais, une radio musicale, ça, c'est sûr. Pas une généraliste. France Inter. Non, je déconne. Non, mais une généraliste ou plutôt une musicale? Bah moi, je pense que ce serait plutôt une musicale. Je pense que alors, ce serait carrément un morning, donc très tôt le matin, non. Ou une libre antenne de nouveau? Pas le matin, t'as du mal à te lever tôt. Pas du matin. Non, je l'ai fait en plus pendant nombreuses années. C'est, je sais pas comment font les gens. J'en serais. Ouais, tu l'as fait, je sais. Mm. Ah, mais oui, il y a MFM, hein. C'est ça? Non, oui, MFM Radio, si, si, c'était ça le matin. Putain, je sais pas comment. Non, mais moi, je sais pas toi, mais tu te lèves à 3 du matin. Un athlète de. Mais tu prends du poids de ouf en plus. Non, regarde, mais pas trop mal. Non, toi, t'es pas dégueulasse. C'est vrai. Et non, non, alors, non, moi, j'aimerais bien. Ouais, non, mais une matinale, j'en sais rien. En même temps, je commence à être un peu trop. Non, mais passe un message. Alors, ça serait quoi? Une énergie? Moi, je vais là où on me propose. RFM, Virgin, un retour sur Virgin. Par... Non, tu as envie de quoi? Non, franchement, donne-moi un nom. Je suis allée. Franchement, peut-être, je sais pas, j'en sais rien. Génération, Nova, comment dirais-je, ouais, ou Skyrock. Ou... On connaît bien les gens de Génération. Ah bon? C'est le même groupe que BFM Radio. C'est vrai? Ouais. Ouais, c'est cool, j'aime bien cette radio. Je la trouve cool. Je prends 20% hein, sur ce qu'ils te donnent. C'est vrai? Ah bah attends. Si je te place, attends. Bah voilà, génération. Mais je suis trop vieille. Ouais. Non, Michel nous pose une question. Ah, Mimi. Regarde, Michel, tes qualités et tes défauts. Voyons, mon chat. Eh ouais. 2 heures. Allez, on y va. Mes qualités, franchement, je suis dans la vie privée, je suis une amie très cool. On peut toujours compter sur moi. Je suis de celle qui fait les déménagements. Tu vois le genre. Donc ça, c'est vraiment être une bonne amie. Celle qui garde les gosses des copains et tout. Quand ils sont malades et qu'ils ont une gastro. Après, mes défauts, bah évidemment, je suis impulsive, je suis hypersensible, je suis névrosée, je suis plurielle. On est plusieurs. Et surtout, je vais le répéter, c'est le mec qui y va à fond. Non, mais elle est gentille. Elle est gentille, elle est hypersensible et elle est bienveillante. Non, parce que c'est très dur, parce que c'est très brutal. Il y a énormément de critiques. Mais tout le monde te critique et parfois tu es insupportable. C'est normal, mais parfois j'ai envie de me baffer moi-même. Je vais trop loin parce que j'ai... T'es une autre personne. Ouais, je fais chaud. Si, pardon, excuse-moi. Non, mais tu parles de toi. Ouais, c'est vrai, bon, et non, mais au bout d'un moment, tu as terminé. Alors, tu as énormément, extrêmement de très jolis compliments. Ah, Jenny, c'est ma copine. C'est vrai. C'est alors, quand Concarneau, ma chérie. Bientôt, allez, ma puce, je vais voir mon tonton bientôt, mon amour. Je serai bien là. Tu es dans tes PNP vendredi. Voilà, ça c'est ouais. Tiffany. Voilà, oui, pour le prime, Baba Valentin. Voilà. La Saint-Valentin. Oui, j'y suis, chérie. Ouais. Ah, tiens, j'ai envie tout de suite, parce qu'il nous reste 3-4 minutes avant que tu partes, parce qu'il faut que justement tu ailles sur le plateau. Si tu avais un message, attention, à adresser à Cyril Hanouna, en regardant nos amis de Pure People, mais un message, quelque chose que tu n'oses pas lui dire, tiens, c'est maintenant. Connard. Non, je rigole. merci de me faire vivre un rêve depuis 8 ans. Merci de nourrir ma famille grâce à ce salaire que tu me verses, qui pourrait, cela dit entre nous, être à peu près calé sur celui de Koé. Hein, mon baba, allez, fais un effort. Vas-y, rallonge la pige, frère. Vas-y, merci de faire kiffer les gens depuis 7 ans et tiens bon. Ouais. Et tiens bon, pourquoi? Bah parce que lui, s'il y en a bien qui s'en prend plein la tronche en ce moment, c'est bien lui. Ouais, alors qu'il fait que kiffer les gens. Et que ce mec, je peux vous dire que dans les moments, dans le privé, qu'on a tous vécu, hein, où c'est pas facile, où on a des soucis perso, Pépère, il est là, il passe son petit coup de fil et il est jamais loin. C'est un mec bien, c'est tout. Point.
Point. C'est clair? Voilà, tout le monde est bien. Enfin, non, déplaise. Voilà, ouais. Bon, Salomé pose une question, je te laisse lire cette question de Salomé. T'as des projets parce que, bon, t'es un peu la queen, c'est ça? Ouais, ouais. Et Nora, Salomé, le soir. Je t'aime. Alors? J'ai des projets. Ça manque de plein. Vous. Ça manque de ouf. Ça manque de ouf. Alors, c'est de quoi tes projets? Bah, tu manques, ils veulent te voir tout le soir. J'écris, j'ai envie de monter sur scène, donc aussi, ça aussi, j'y pense. Faire un... Retourner à faire comme. C'est un peu le leitmotiv, mais refaire du concours complet de chevaux. À faire de la pêche. Voilà, non, mais j'ai plein de projets que je peux pas trop dire, mais en tout cas, peut-être m'éloigner un peu de la télé pour revenir à d'autres choses. Attends, il y a deux choses intéressantes. Monter sur scène, ça veut dire quoi? Ça veut dire justement. J'en parlais avec toi, de peut-être retourner vers ce qui m'a faite, c'est-à-dire quelque chose de plus performatif, de plus contemporain. D'accord. Donc vous en saurez plus si vous allez voir l'interview de Pure People d'ici quelques jours. Voilà, c'est ça. Évidemment, parce qu'on ne peut pas tout vous dire, vous allez en savoir un peu plus. Voilà, non, mais ça c'est important. Ouais. Et tu parles aussi la télévision, c'est-à-dire qu'on sent quand même un petit agacement de cette surmédiatisation, grosse pression. Ouais. Parfois c'est difficile. Ouais. Si un jour on te disait, tiens, Nora, maintenant, allez, c'est pas que ça s'arrête. Tu as le choix d'arrêter ou de continuer. On va pas se mentir, c'est que pour moi là, je pense que ça va s'arrêter, c'est même pas une question, c'est évident, pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que soit effectivement tout ce que je fais ne marche pas et à un moment donné, merci madame d'avoir participé, mais tu vois, dégage. Soit je vais pas pouvoir quand même tenir comme ça, avec tout ce que ça comporte de vie derrière pendant 107 ans. Il faut quand même être un peu maso. Donc à un moment, la vie, c'est pas la télé. Alors, tout est relatif, mais tes échecs, on parle pas de ces stars. On vous donne rendez-vous tous les lundis, pas moi. C'est pas un échec. Le van, à partir de... Mais j'ai pas d'échec encore. Laisse-moi terminer. À partir de 23h15, on parle de C8. C'est-à-dire que c'est vrai que derrière le poste, certaines émissions où l'audience n'est pas au rendez-vous, c'est considéré un peu comme un échec. Ça a duré 3 ans. Comment ça se fait que justement... Mais ça s'est pas arrêté parce que ça marchait pas. C'est que ça a duré 3 ans. Pourquoi ça fonctionne pas avec Enora parfois? Parce que l'émission était pas bonne, je pense. Mais après, ça a fonctionné pendant 2 ans et demi. On faisait 800 000, 700 000. Je pense qu'à un moment donné, on a fait une connerie, c'est qu'on a changé la formule. C'était complètement con. C'est-à-dire que ce qui marchait, on avait des pointes à 900 et qu'on était à 600 000, ce qui est hyper bien pour des primes. Les gens disaient que ça marchait pas. J'aimerais que tu vois les scores de mes copains maintenant. Enfin bref. Ouais. Quand on a décidé d'enlever le plateau, ce grand plateau où je recevais les gens en public, et de faire juste du prompteur à la mort moelle-neu et tout, évidemment les gens se barrent. L'émission n'a plus d'intérêt. C'est ça. Donc ils ont eu raison. Voilà l'analyse d'Enora Malagré. Encore 2-3 questions. Damien, ça tombe bien, c'est un compatriote, un Corse. Damien, j'aimerais te croiser encore. Je suis d'Ajaccio. Quand tu viens? Mon chat, j'adorerais te le dire, mais ça, c'est ma vie privée. Ok. Mais on se croisera. Voilà. C'est absolument important. Allez, encore une ou deux questions, puis après, mais je t'aime. Mais il n'y a pas de gens, mais c'est bizarre. Non, justement. Mais non, mais Enora. Vous êtes où? Enora, tu montres une autre image de toi, justement. Normalement, j'ai toujours un sale pute. C'est vrai. Et alors, et justement, j'en trouve pas. Écrivez-moi un juste pour me faire kiffer. Alors que quelqu'un envoie une. Alors, sur Pure People, ça n'existe pas parce que c'est la bienveillance avant tout, mais quelque chose d'un peu. Les gens ne font aucune faute d'orthographe. Moi, si je t'aime, de l'amour, des petits points. Vous êtes une équipe géniale, merci. Ah non, mais c'est formidable. Non, parce que vous avez un côté parfois utile, c'est vrai. Ah bon? Oui. Non, mais toi, faut que t'arrêtes de montrer ce que tu n'es pas. Ah bon? Bah ouais. Ouais, mais je vais être au chômage. Et tu m'embaucheras? Sérieux, ouais? Ouais, moi j'ai bien passé pour Pure People. C'est prévu pour sérieux? Mais c'est ouf! Oui, mais bon, tu payes. Ah, c'est moi qui dois payer pour venir bosser? Ouais, c'est un peu la mécanique ici. Ah, ouais, c'est comme ça. Bon, allez, on va terminer avec cette dernière question, elle est très sérieuse. Okay. Il y a une retraite de la télévision, c'est prévu pour quand? Sais-tu quand est-ce que tu arrêtes la télévision? 2017, 2018, 2019, ce serait quand? Le plus tard possible, j'espère, non, mais rapport au loyer qu'il faut payer. non mais c'est vrai, on va pas se mentir. Après, non, mais tu pourrais concevoir tourner la page à un moment et passer à autre chose. Si j'arrive à tenir dans ce milieu et que j'ai encore du boulot, j'aimerais bien encore 5 ans. 5 ans. Et après, on est sur... Je tricote de la laine, on prend du feu. En Corse, avec les chèvres, les vaches. Bon. Et Nora, regarde, il y a que non mais je t'embrasse, je t'aime, la radio, quand, coucou. Attends, ça c'est bien. Pourquoi une jolie fille comme toi n'arrête pas de jalouser, de fracasser les autres filles sur TPMP? Arrête la télé, c'est mieux. Ça c'est méchant. Voilà. Ça j'aime. C'est bon, j'adore. Alors mon chat, je ne fracasse aucune fille. Je suis amie avec Caroline Turbide, Émilie Lopez, Clio, Valérie, Isabelle, bref, toutes les meufs qui sont dans TPMP. Quelle meuf je fracasse? Une en 8 ans. Allez, bisous. Bisous. Bon, on terminera avec cette dernière question. Quel est ton coup de gueule du moment? Parce qu'il m'en faut un. Allez, il nous en faut un. Trump. Vas-y. Non, argumentation. Mais le coup de gueule du moment, c'est le sexisme
latent qui est en train de ressurgir des entrailles de cette société, que ce soit évidemment aux États-Unis, mais aussi en France. Voilà, je pense qu'on est en train de banaliser la misogynie et le sexisme, à la fois à la télé et dans la société, et ça, ça m'agace. Ah si, j'ai une question bonus. Vas-y. Parce que je sais que tu es passionné par la danse. Ouais. À quand Enora Malagré dans Danse avec les stars? Ça a déjà été proposé. Ouais. On te l'a déjà proposé? Non, jamais. Non, pas encore? Je t'assure que ah non. Bon, je pense que, parce qu'ils ne peuvent pas me blairer parce que j'ai fracassé Ourna. Ah oui, c'est vrai, vous n'arrêtez pas aussi de fracasser TF1. Ce qui est compréhensible. Ouais. Mais j'aimerais bien le faire. Ils le savent, j'aimerais bien le faire. Ouais. Quand j'aurai un peu plus de temps. Mais et puis quand ils auront des jupes plus courtes, parce que j'ai des grosses cuisses. Mais sinon... T'es pas trop mal. Non, mais... Ouais, t'es plein de complexes, non, j'ai compris. Ça va, non, mais là, on est sur... J'ai les cuisses de Lisa Razzou, alors que je suis ouais, neuf. D'accord. Mais il y a pas de soucis. C'est très sympa. Ouais, danser avec les stars, je kifferais grave. Ouais. Donc, on se donne rendez-vous, on se donne rendez-vous tous les lundis sur ces stars à partir de 23h15. Ouais. Vous ne loupez pas cette émission. Il faut être présent, pas que pour l'audience. Et tu verras que tu vas faire les 100 000. C'est vrai, grâce à toi. Là, je te le dis. Non, pas grâce à moi, grâce à Pure People. Et on va terminer avec une gentillesse. Je veux une petite gentillesse. Moi, je vais partir et vous embrasser. Ah, je reste seule tout. Ouais, tu leur fais une gentillesse à Pure People. Quelque chose de très gentil. D'accord. Et portez-vous bien et surtout soyez heureux. Merci, Lolo. T'es un frérot. Non, mais elle est très bien, elle est mieux que vous imaginez, c'est ça. Non, mais attends, maintenant il faut que tu changes un peu ton caractère. Calme-toi, d'accord, allez, Lolo, à bientôt, je te promets. Merci pour tous les gens qui me soutiennent. Je lis vos tweets, je lis vos commentaires sur Instagram. J'essaye de m'améliorer et c'est grâce à vous. C'est pas facile, mais même si vous êtes un peu méchant parfois, souvent vous avez raison. Et je prends note de vos remarques, qu'elles soient violentes ou pas. Merci d'être là et merci de faire de ma vie un rêve parce que tout ça, ça n'existerait pas sans vous. Je vous aime vraiment très fort. Et Cyril, le chèque. Ouais, le cochet, frère. La rallonge. Le cochet, la rallonge. Bisous. Non, mais tu vois, voilà, pense à ma mère et tout. Rallonge. À la Corse, la famille. Ouais, tu vois, Corse, Bretagne, on est nombreux, frère. Bon, les amis, on vous embrasse très fort. Prenez soin de vous. Soyez heureux. Bye. Ciao. Allez, viens, on y va.